Moi, je m'appelle Canel, j'ai 29 ans. Et alors, moi, je viens plutôt d'un milieu qui est basé sur le monde de la recherche. Hein. J'ai fait un master de biologie marine après. Et puis, moi, j'étais plutôt en quête de sens. Hein. Après le Covid, je pense comme tout le monde. Pour avoir un métier porteur d'un sens. Et lors de mes études, et puis lors de la suite de mon parcours professionnel, en fait, j'ai bien connu ce que c'était la Caponie. Alors, comment j'ai découvert l'aquaponie? Alors, en fait, pendant mes études en biologie marine, j'ai d'abord découvert, alors c'est un terme technique, ne vous inquiétez pas, le système multitrophique, l'aquaculture multitrophique intégrée, pardon. Et moi, j'étais plutôt intéressée sur le volet eau douce, puisque l'aquaculture multitrophique intégrée, c'est en eau de mer. Et du coup, j'ai découvert l'aquaponie au fur et à mesure, dans les publications scientifiques, etc., etc. Puis après, par YouTube. Et puis après, je me suis formée. Ah, c'est compliqué. En fait, moi j'étais lauréate d'un prix de l'engagement où je devais faire un projet professionnel. Et pendant très très longtemps, j'avais un projet de travailler dans la permaculture. Du coup, j'ai présenté mon petit projet et en fait, depuis longtemps, j'avais aussi, je pensais à l'aquaponie. Et du coup, j'ai regardé, je me suis dit que je manquais beaucoup de compétences. Dans la compagnie, je voulais vraiment m'inscrire là-dedans. Et c'est pour ça que en fait, je me suis intéressée à tout ce qui a cours en fait, à la compagnie sur Internet. Et j'ai découvert Ecologia comme ça. Et puis après, je sais plus, c'était 4 mois après, j'ai été. Voilà. Alors maintenant, moi, en fait, je suis porteuse de projet. J'aimerais bien créer une ferme aquaponique du côté de Brest. Mais on va voir en fait comment ça va être par la suite. Hein. Et pour l'instant, du coup, là, je suis à Océanopolis, où je travaille en tant que guide scientifique. Je vais bientôt toucher un petit peu plus aux poissons. Du coup, on va voir comment ça va être. Et je travaille aussi beaucoup dans la permaculture en ce moment, en tant que bénévole. Et donc, j'aimerais bien aussi m'inscrire plus là-dedans. Donc, au fur et à mesure, j'acquiers de la compétence, j'acquiers aussi des relations avec les gens, je me fais mieux connaître pour vraiment pouvoir avoir tous les clés en main en fait, pour faire mon projet du côté de Brest. En tout cas, à côté de la mer, ce serait bon. Voilà. Et en Bretagne encore mieux. Je dirais connaissance déjà, par rapport à tout ce que j'ai appris. Compétence, ça va avec habituellement. Et surtout pas intensif, parce que franchement, alors c'est pas facile, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un beau projet. Non, mais aujourd'hui, en fait, il y a vraiment besoin de développement durable et l'aquaponie, c'est une des méthodes en agroécologie qui le permet. Donc, venez, on est bien.